Aujourd'hui, on est à Lyon, à Eurexpo, au Mondial des métiers. Ça permet à des gens qualifiés et qui prennent du temps pour nous et puis pour les jeunes de leur faire découvrir le métier et surtout ben, de pouvoir les lancer s'ils hésitent ou autre. C'est vraiment un métier intéressant, il est sans cesse en développement. À chaque fois, les techniques dans le vélo, ça évolue. C'est pas un métier où on peut s'arrêter, où on se dit « Ah bah c'est bon, je connais le métier, ça y est, je connais tout. » quoi. Ça, c'est sans cesse en évolution, ça évolue même très vite. Puis surtout maintenant avec l'électrique. Ce sont des métiers qui sont méconnus du grand public, qui sont des métiers qui sont très intéressants. On peut y faire de très bonnes carrières et surtout, on a un débouché professionnel où pratiquement 100% de nos élèves qui sont formés arrivent à trouver un emploi dans le monde de la réparation et de la maintenance du poids lourd. On sait qu'il y a beaucoup d'élèves de 3e qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire plus tard et qui sont encore perdus, même des personnes qui sont en seconde. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Donc au moins, ça leur montre les métiers, ce qu'ils peuvent faire plus tard. Et au moins, ça peut leur aider à se diriger dans un domaine bon pour le futur. La mécanique, c'est vraiment un métier d'avenir. Il y aura toujours du boulot. On cherche des mécanos de partout. Donc si vous aimez la mécanique, si vous aimez tout ce qui est mécanique, voiture, c'est vraiment un métier à faire, la mécanique auto.